Salut à tous, ici Pharo Sadius. Alors j'ai voulu faire une vidéo, mais mon PC a complètement crash. Mais bref, alors je vais y aller, je vais aller assez rapidement. Donc le DLC même nom et réseau s'est sorti. Je vais pas vous montrer réellement les mécaniques de gameplay. Tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est un excellent DLC avec même nom qui a son propre roster, réseau qui a son propre roster. Donc on a deux rosters complets dans un DLC Edible, avec des mécaniques vraiment jouissives comme pouvoir désactiver les tours ou faire pop des armées presque gratuitement. Clairement, c'est un DLC qui vaut largement le coup. On a deux fois plus de contenu sur ce DLC, voire même trois fois plus de contenu que si on le comparait par exemple au DLC de Ajax et Diomède. Et le DLC a quand même un poil plus de contenu que le DLC Mythos. Au final, le DLC Mythos, qui ne sera au final que des... Comment on pourrait appeler ça? Que des espèces de retextures d'unités du jeu de base la majorité du temps. Et le reste, eh ben, ce sera juste des troupes pas extrêmement bien inspirées et pas super beaux graphiquement. Voilà. Globalement, ce sera tout pour cette vidéo. Elle va pas être très longue. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai passé un excellent moment et malheureusement, c'est la fin de Total War 3. Total War 3 signe sa fin. Il n'y aura donc plus de contenu sur Total War 3, il va falloir faire avec. Mais bon, je pense que c'était un saga, il n'avait pas prévu d'aller si loin. J'imagine qu'il s'attendait à un an de suivi et que là, c'était sorte une espèce de cadeau pour bien terminer. Surtout que ça tease un peu l'Égypte et autres. Et je ne serais pas surpris à ce que le prochain Total War soit centré sur uniquement l'Égypte. Après tout, l'âge de bronze avec l'Égypte, c'est un peu le fantasme de beaucoup de joueurs, donc moi j'ai hâte personnellement de voir à quoi ça va ressembler. En tout cas, cette vidéo aura été courte, mais au moins elle aura été brève. Total War 3, Rezus and Memnon, est pour moi le meilleur DLC, et je vous conseille largement de le prendre si vous avez aimé Total War 3. Total War 3 est maintenant très intéressant, possède un très bon gameplay, et vaut largement la peine. On sent qu'il est parti de loin avec toutes les catastrophes qu'il a eues à sa sortie, notamment la vérité derrière le mythe qui restera pour moi la meilleure idée de merde qu'a eue Creative Assembly depuis leur existence. Et bien sûr, nous avons aussi, pour moi, nous avons aussi un autre problème, c'est que maintenant les Troyens sont beaucoup plus nombreux que les Grecs avec deux seigneurs de plus, et parce que 6 Grecs, 6 Troyens pour 2 Amazones. Sauf que les deux Amazones vont se focus sur les Grecs. Même nom a l'air de mourir assez rapidement dans les parties. Mais je ne sais pas ce que ce sera, je ne sais pas qu'est-ce que, si, si ce sera le cas de réseau. À moins que les factions sont plus ou moins neutres et ne bougent pas trop d'où elles viennent. Ça, c'est aussi une possibilité que j'ai envisagée. Il faudra voir ça dans d'éventuelles parties. Allez, ce sera tout pour cette vidéo. C'était Pharo Sadius et on se dit à la prochaine. Je pense que là, j'ai fait ce que j'ai à faire comme vidéo. Il n'y aura plus beaucoup de vidéos, je pense, pendant un petit moment. Les récits d'Assassin's Creed sont faits. Il y aura sûrement les let's play avec Petit Vampire, mais nous verrons. Parce que là, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai quand même des gros crashs qui commencent à arriver sur 3, qui font freeze le PC. C'est pour ça qu'il va falloir que je regarde attentivement pourquoi. Allez, à plus tout le monde!